recherche que Fadim Mark fait dans l'année 2015, il y a environ 300 000 personnes qui ont souffert de maladie sick en Haïti. Qui est cette maladie? Qui est-ce qui est sorti? Qui est-ce qui provoque? Et comment on peut combattre cette maladie si là? Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Jeudi, on a recevoir Dr. Serge Gilles qui vient présenter nous un appareil qui est le diabétique. Ou souffrir maladie sick, ou il y a un monde proche qui souffre maladie sick et mérite de brancher, on a tourné plus d'informations. Comme ça annoncé là, je dis à nous qui avec nous sur plateau entretien 2000, docteur Serge Gilles et lycée docteur de profession et lycée PDG plateforme numérique la soignée. Par contre, si me rater un bagage docteur, comment y est? Bonsoir Jessica et Jean-Claudine, non pas monsieur et Serge Gilles, mais c'est médecin, moi également PDG la soignée qui c'est une plateforme de santé et de télémédecine que c'est pas pour la première fois que moi a participé sur plateau bien à émission entretien 2000, donc c'est toujours un plaisir pour que moi capable participer et partager avec mon yo et de nouveaux bagages que on va essayer apprendre. Je dis à la nous là pour une cause qui très précis qui c'est cause diabète, mais docteur qu'a dit nous qui ça diabète là? Et juste avant que moi réponde avec question que vous posez là, nous voulons faire un point qui est important que tout d'abord, vision que nous portons, je ne veux dire, qui c'est diabétique, qui c'est un appareil qui est capable de permettre aux personnes qui sont diabétiques, surtout aux personnes qui sont de type 1, pas oublier diabète, normalement, il y a de type 1 et type 2. Donc, il y a plusieurs stades. Il n'y a pas de stade. Il y a classé en type 1 et type 2. Type 2. Il y a l'autre forme de diabète toujours, mais diabète sucré, il a essayé et normalement classer le type 1 et le type 2. C'est de ça que nous avons plus concentré. Qui ça, vous dites, qui ça qui diabète? Diabète, c'est taux de sucre qui est augmenté dans le sang. Donc, lorsque il est supérieur à 1,26 g par décilitre, dans ce cas, vous parlez que lorsque vous essayez de prendre deux fois, donc, on est capable de dire que le monde est diabétique. Ou bien tout, si que li à peu près 2 grammes pendant au cours de la journée, que vous essayez de contrôler le taux de sucre là où il arrive à 2 grammes, dans ce cas, on est capable de dire que le monde est diabétique. Donc, c'est ça que nous venons pour que nous soyons capables de présenter. Nous voulons parler de diabète. Diabète, c'est un appareil qui est capable d'aider, qui va aider le monde de type 1, surtout qui toujours apprend traitement, ça veut dire insuline. Chaque matin ou bien chaque moment pendant la journée, moun sa yo yo obligé à piquer tête pour qu'yo capable prendre insuline. Et appareil ça li existait déjà. OK. Son appareil qui existait déjà, mais en Haïti li nouveau. Li nouveau. Perspective ça li vini dans cadre plateforme télémédecine que nous mettez sous pied depuis 2017 que nous créé plateforme là qui nan objectif rendre accessibilité à soins de santé. A pas oublier que nous vivons dans un pays qui non véritable de ça désert médical. Les parler de désert médical si nous aller sous données que soit Banque mondiale ou bien ministère santé publique présenté pour 10 000 habitants nous gagnons moins de 6 professionnels de la santé. Pas médecin non. Professionnel de la santé. L'aime parler de professionnel de la santé, ou est médecin, ou est infirmière, ou est technicien en laboratoire, etc. C'est toute une série de professions qui réunissent pour parler de professionnel de la santé. C'est-à-dire qu'il y a moins de 6 professionnels de la santé pour 10 000 habitants. Tandis que l'Organisation mondiale de la santé recommande 25 professionnels de la santé pour 10 000 habitants. Donc, vous pouvez imaginer qui dans qui véritable désir médical que nous avons. C'est l'objectif ça que moi-même, après avoir fait une expérience dans le gouvernement jeunesse, j'ai proposé justement
avec soit l'État haïtien ou la population haïtienne, non, ça n'est pas télémédecine. Télémédecine, c'est toute forme pratique médicale qui est faite à distance par le biais de nouvelles technologies de l'information et de la communication, ça nous est l'éthique. Que à l'aide d'un appareil intelligent qu'on a, smartphone, une tablette, un ordinateur, que on capable de gagner un accès avec son santé. Donc de ce fait, pour que nous renforcer même vision ça que nous gagnons, qui c'est rendre accessibilité. Parce que moi, c'est objectif là, c'est ça, rendre accessibilité et son santé à tout le monde, quitte ou sorti dans race, capable dit bourgeoisie. Vous prenez une classe bourgeoisie, une classe moyenne, etc., classe qui est bas, que vous avez accès à la santé. Parce que son droit lié, que Haïti, normalement, signe une convention. Ça. Donc, soins de santé, ou bien accès aux soins de santé, il fait partie de droits humains. Même si on a des droits à la santé, droits à l'éducation, mais soins de santé a son droit lié, que l'État ici est supposé banon. Yeah. Mais notre objectif pour que nous, ouais, puisque nous connaissons nos pays qui sont développés, moi-même en soi, en tant que jeune qui a pensé, nous voulons rendre tout matériel médical capable de connecter. C'est ça qui fait que nous commençons. C'est-à-dire tout matériel médical nous souhaitons pour qu'il soit capable de connecter par le biais de nouvelles technologies que nous avons utilisées pour parler de télémédecine. C'est dans ce sens que nous commençons avec Diabetec. Diabetec qui normalement permet de parler de artificiel, pancréas artificiel, de parler de pompe à insuline, c'est un ensemble de thèmes que vous utilisez. Mais tout ça, vous commencez à partir de professeur Jacques en 1970 qui était venu avec le premier modèle pancréas artificiel. Donc nous-mêmes, vu que ce n'est pas un bagage qui est trop. Pas vraiment grand pile monde qui accentué sous les à travers le monde que Haïti ça pas bien ça du tout en Haïti que nous même nous venir avec ça. Okay. Toujours dans même perspective créer des appareils connectés, des appareils médicaux connectés qui capable rendre accès à ce santé rapide. Oui, ça fait nous venir avec Diabetec, lui qui comment il fonctionner. Diabetec fonctionner c'est les bonnes possibilités à l'aide de capteur, un capteur qui est mettre normalement dans l'abdomen nous et également il gagne un tube à insuline qui est capable d'injecter automatiquement. Automatiquement, une fois que il gagne il contrôler normalement taux de sucre là dans sang que il senti que on a nécessité pour qu'on prend insuline, automatiquement il injecter dans ça. Et de même tout, ça qui est intéressant, c'est que lui permet de joindre des informations qui sont partagées par le biais de plateformes que nous mettons en place pour ça, que soit par Internet ou bien par Bluetooth, ou capable de joindre l'information, soit transférer directement par les professionnels de la santé qui a suivi par route de son. C'est ça qui c'est Diabetec. Nous présenter et Diabetec le 28 juillet qui se passe là. Mais, j'aime dire, l'innovant en Haïti, mais il pas innovant. L'aime dit pas innovant, c'est pas pour la première fois que moun n'attendait parler de ça à travers le monde. Mais donc, Haïti, soit dit, excusez, oui, soit dit l'innovant en Haïti, ça veut dire beaucoup exister sur le marché haïtien. Il beaucoup exister sur le marché haïtien. Mais il testait déjà. Il testait, li ça fait de plusieurs pays qui a utilisé comme la France, on capable dire, mais nous même nous gagne une compagnie chinois normalement on compagnie chinoise qui ba nous accès avec appareil ça nous dit voilà ce qu'on veut parce que nous juste voulait adapter là avec plateforme télémédecine nous dit mais ça que nous voulait et puis yo même yo arrivé nous ça nous voulait exactement c'est comme ça okay. N'a parlé de Diabetec qui c'est un appareil qui là pour aider moun qui diabétique yo en prenant un cas où que moi même qui pas gain connaissance dans ça comment ka fait connait que me diabétique et qui ça qui provoquer diabète là. J'ai que moi t'ai dit tout à l'heure là et au début de l'émission, gagne plusieurs types de diabète. Chaque type ça yo gagne yon cause. Yon nan cause qui surtout type 1 ou jouni la kay ti moun, la kay adolescent. Généralement c'est des gènes. C'est des gènes qui ont détruit cellules pancréas, c'est lui-même qui sécrétait sa insuline.
une fois que li sécrète insuline, insuline lui-même li là pour que li permette sucre là entrer dans cellule, dans cellule qui dans organisme par exemple dans muscle qui permettre de faire des mouvements. Une fois que cellule ça les détruit, donc taux de sucre là augmenté dans sang. Donc de ce fait là on capable dire que moun sa li diabétique. Et surtout j'aime se dire là nous jeune type 1 la caille petit moun petit et puis adolescent. Et puis type 2 a rejoigné la caille adolescent et la caille moun qui âgé ou adulte que rejoigne ça li plus lié avec façon que n'a nourri en terme de nutrition qui comportement que nous gagnons, comportement que nous gagnons avec vie nous mode de vie que nous menons, c'est ça normalement qui toujours lié avec type 2. Yo n'a pas même temps rien mais connait ou dit que insuline permet que corps li capter sucre bien. Mm-hmm. Mais insuline ça est-ce que c'est un produit artificiel que au travail que dans laboratoire ou bien est-ce que corps pas produit insuline propre insuline pâle? Exactement, corps produit propre insuline pâle, c'est cellule bêta de l'ingérence qui dans pancréas. Normalement, c'est lui-même qui produit l'insuline. Ça, elle est l'insuline qui est normal. Toutefois, quand on a l'autre insuline que vous utilisez, à base de animal, etc., ça aussi, c'est des insulines que vous fabriquez. Vous fabriquez pour que, normalement, l'organisme ait ça, c'est injecté ou injecté. C'est ça qui fait type 1. Généralement, c'est une forme d'insuline que vous utilisez pour que le monde ça. Insuline ça a le rôle que insuline que organisme ça supposé produit normalement. Mais est-ce que un produit ça va gagner effet secondaire docteur? Et est-ce que le pas gagner effet secondaire ou il gagne effet secondaire? Par exemple, lorsque vous consommez insuline en trop, il ca chuter taux de sucre là. Dans ce cas, on parlait de hypoglycémie. Non, lorsque vous êtes tombé en hypoglycémie. Donc il y a plusieurs effets, mais il y a une chose qui plus souvent, que nous rencontrons plus souvent, c'est l'hypoglycémie lorsque vous consommez ou bien trop insuline, venez trop insuline, donc automatiquement les chutes et taux de sucre dans le sang, donc de ce fait, vous venez tomber en hypoglycémie. Dans l'expérience ou en tant que médecin, est-ce que vous avez jamais croisé un monde qui a quoi insuline? Et pas quoi type 1 sans insuline? C'est insuline va couler à couler, il dépend même de l'insuline. Il dépend de l'insuline. Ok. Et pour nous tourner sur diabète, on dit que c'est un appareil qui est connecté par Bluetooth, qui voit l'information que le patient gagne par la plateforme. Mm-hmm. Pas seulement la plateforme, non. Même des informations sur téléphone ou bien le patient a décidé de voir information en bail au monde qui proche lit tout ça les gain possibilité pour voir toute information ça. OK, d'accord. Mais question m'ta poser hein, c'est que j'aime saute mande pour insuline tout à l'heure. Est-ce que diabétique là pas qui effet secondaire sur patient puisque il connecté à Bluetooth et il connecté à Bluetooth ça lui dit gain signal qu'a transmettre. Et selon toute dernière m'capable dire les derniers tests que compagnie qui arrive à faire appareil ça pour nous en Chine, normalement pour qu'on gagne des effets qui fait. Cependant, il faut qu'on teste pour qu'on fait en Haïti. Comme on connaît conjoncture et pays à gens que situation nous est, nous pour qu'on vraiment nous a supposé qu'on cargaison qui a venu très bientôt, justement qui notre objectif pour que nous tester et en même temps joindre autorisation ministère de santé publique parce que tout ça qui a fait en Haïti qui lié avec santé c'est ministère de santé publique qui est responsable autorisation qui pour garder est-ce que ça quoi par population est-ce que les deux qualités et après ça après toute analyse tout test que il y a bon autorisation pour que population capable d'utiliser et diabète et gens se décrivent là. C'est un produit qui a permettre que la santé en Haïti évolue. Mais est-ce que nous avons financement pour projet diabète là ou bien c'est ou même avec équipe ou qui juste financer? Et juste à présent c'est nous-mêmes c'est toute équipe parce que j'ai que moi de dire c'est vision la soignée là, c'est toujours vision la soignée là qui a essayé mettre disponible des appareils médicaux
connecté qui a un accès aux soins de santé à que tout le monde capable joindre on petit crasse la soya gens que nous les plateformes nous qui c'est la soya c'est vision ça juste à présent c'est nous-mêmes qui a essayé faire bye écoute mais nous essayer porter contribution nous dans pays là parce que nous ouais réalité pays là nous pas arrêter chita attendre soit attendre l'état ou bien attendre communauté internationale mais en tant que jeune nous là pour que nous capable penser pour que nous capable ouais comment capable bâtir grâce contribution non pendant que nous soutenons pays là parce que c'est ça qui est important si chaque monde porter petite grâce contribution gens que au même en faire bah chercher des informations partager avec population pour que on puisse mieux comprendre et bien il en est de même pour nous-mêmes c'est ça que nous fait pour tes grâce contribution nous très open si tu as gagné des instances qui t'a voulu normalement supporter ou bien partenaire de telle initiative nous souhaitons au bienvenu nous souhaitons bienvenu parce que c'est nous-mêmes qui a boumé pour que nous ouais comment nous capables rendre améliorer santé monde surtout monde qui diabétique de type 1. Via a problème qui gagne dans le système santé à la Kounia et qui l'a pensé que diabétique a disponible sur marché national là et m'pa vle bayon yon date mais nous espérons bientôt comme on connaît une situation insécurité pays a et puis question ministère santé publique parce que fort ministère santé publique ba autorisation donc ben c'est bientôt nous espérer ça et jouer un financement des partenaires qui voulaient emboîter le pas dans telle initiative que nous très open nous très ouvert à n'importe partenaire à n'importe institution qui t'a voulu ba nous petit coup de pouce pour que nous capable rendre vision nous ça nous gagner pour la population haïtienne, craser les barrières qui existent dans la question des déserts médicaux que le pays a vivre. Donc, c'est ça que nous prenons, nous très ouvert pour que nous capables de jouer un petit coup de pouce dans tout le monde. Bon, là, docteur, nous pratiquement arrivés dans la fin de l'émission. Nous avons parlé de l'appareil qui est diabétique. Et comment nous recevoir le projet ça? Bon, ben c'est que depuis le 28 juillet, vraiment, nous avons commencé avec série de présentation de telle initiative qui a bénéfique surtout pour monde qui fait maladie SIC surtout dernier rapport FADIMAC qui présenté soit en 2019 gain à peu près environ 300 000 monde en Haïti qui a vivent avec telle maladie nous pensons que ça nécessaire pour que et population haïtienne qui a fait connaissance avec un tel appareil. Quand elle a vraiment marché, nous profiter pour que nous capables de remercier tous les médias qui toujours a supporté nous dans ce sens-là. Et également, moi voulais faire un point qui est important. Diabétique, on a dit, c'est nous-mêmes qui créé Mac ça, son Mac que lié. Mais cependant, pancréas artificiel, c'est pas nous-mêmes qui inventé. Parce que l'itégété existait déjà depuis soit 1970, l'itégété existait. Mais cependant, en Haïti, son projet qui est innovant. Parce que c'est lui-même qui peut aider les gens qui vivent avec maladie SIC. Donc, c'est que nous-mêmes, nous là pour que nous soyons capables de porter une petite grâce et contribution, gens que nous toujours dit, dans la santé de la population haïtienne et rendre accès avec soins de santé de plus et accessible, si nous permettons de dire ça, plus accessible à tout le monde qui ou c'est ou dans classe bourgeoisie ou dans classe moyenne et ou dans classe qui plus bas donc nous même nous là pour que nous capable porter petit contribution. Merci un pile docteur Sergile, nous t'es content de recevoir sur le plateau entretien 2000 et nous t'es parlé de diabète qui ont appareil qui va révolutionner causer la santé en Haïti et n'attend nous pour l'autre projet. Merci Jessica, c'est un plaisir. Mesdames, Messieurs, c'est là nous mettons fin avec l'émission ça. Nous avons reçu le Dr. Sergile qui devine parler nous de diabétique, qui sont appareils qui là pour aider combattre maladie SIC. Nous bon rendez-vous pour l'autre émission. Ciao, ciao!